Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir un artiste talentueux, authentique, qui a parcouru sa vie en étant à la fois chanteur lyrique, mais il est plus connu, par le grand public pour ses peintures. Ses peintures délicates, également ultra précises, pour quelqu'un qui est autodidacte. Il a parcouru le monde entier tout en étant attaché à sa région d'origine. Et cette région, c'est la Vendée. La Vendée qu'il a vu naître un jour d'avril 1937. Et cet artiste, c'est Raphaël Toussaint. Raphaël Toussaint, qui, selon Hervé Louboutin, est le peintre magicien du beau au service du vrai. Raphaël Toussaint, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à vous. Le peintre au service du beau, le peintre du beau service du vrai, c'est quelque chose qui vous correspond assez bien, je trouve. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que, d'une part déjà, je vous salue vous et je salue votre public qui va nous écouter, nous voir. Et à ce public, puisque nous sommes encore dans la période des fêtes de fin d'année, je lui présente tous mes voeux pour cette nouvelle année qui commence. Maintenant, pour répondre à votre question, habituellement, j'ai l'habitude, parce que c'est une musique et c'est un thème qui m'a toujours poursuivi, que je fais mien encore enfin, actuellement, c'est une musique sur la force du destin. Parce que je pense que tous, les uns et les autres, nous avons cette force du destin qui est en nous, qui se matérialise, qui se concrétise par différentes formes. Et chacun de nous a exprimé donc ce destin qui est le sien. Moi, il se trouve que j'ai eu un destin, et c'est vrai, très particulier. Et j'accompagne toujours, vous voyez, toutes mes interventions comme cela, avec cette musique de Verdi, La force du destin. C'est une musique que vous pourrez peut-être mettre, que vous pourrez peut-être insérer dans le reportage que vous faites, parce que ça convient parfaitement bien. Moi, la force du destin, c'est pour moi quelque chose qui a une signification, et je l'appelle également, si vous me permettez, la volonté de Dieu. Vous voyez, parce que nous sommes tous, je le disais tout à l'heure, porteurs de quelque chose. Nous recevons quelque chose. Nous recevons un don particulier, quel qu'il soit, pour un peintre, pour un sculpteur, pour un écrivain. Il a un don, un menuisier. Chacun de nous a ses propres qualités. Donc, chez moi, c'était quelque chose qui s'est manifesté très tôt, très très tôt. Et tout à l'heure, vous avez parlé de musique. Il est vrai que la musique, le chant lyrique, a été pratiquement mes premiers amours. C'était quelque chose pour lequel je me suis passionné et j'ai développé ça très très longtemps jusqu'au jour. C'est un long cheminement, mais toujours le destin était là, ce destin qui me suivait, qui me poursuivait et qui faisait que j'avançais, vous voyez, dans ma vie, qui maintenant a quand même un certain bilan, puisque j'arrive quand même à un âge très très respectable, mais toujours avec quand même cette force du destin, cette volonté de Dieu de faire en sorte que ma présence, ma petite présence sur Terre a pu apporter effectivement quelque chose de beau, quelque chose de merveilleux aujourd'hui à travers ma peinture. Avant de faire cette interview, nous nous sommes entretenus au téléphone plusieurs fois et vous m'avez demandé de recontextualiser un petit peu votre travail par rapport à l'art moderne d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez répondre là-dessus? C'est très difficile. Vous savez, c'est un domaine, c'est un sujet très délicat et je vais m'abriter, si vous voulez bien, je vais m'abriter derrière une citation d'Auguste Renoir qui disait, on devrait toujours s'excuser de parler peinture. Et c'est vrai parce que c'est très hasardeux. Moi, je vais vous exprimer peut-être des points de vue, mais ce seront mes points de vue à moi, que vous ne partagerez pas forcément vous,
ou que votre auditoire ne partagera pas forcément. Peut-être que l'on contestera ce que je vais dire, ce que j'ai à dire en tout cas, parce que je pense qu'au bout d'un certain temps, avec l'expérience qui est la mienne aujourd'hui, avec tout ce que j'ai pu rencontrer quand même au cours de ces 60 années de peinture, j'ai pu me faire quand même une opinion, hein, avoir un regard sur ce que l'on nous offre justement dans ce domaine de l'art moderne. Je dis bien moderne, je ne dis pas contemporain, mais on se pose la question, qu'est-ce qui fait que notre art d'aujourd'hui est si pauvre? Et c'est vrai que notre art, il y a une sorte de décadence, de dégénérescence. Je pense que, vous voyez, la peinture, c'est un art majeur. La peinture est un art majeur qui a traversé les siècles, qui a traversé les temps, qui a laissé des traces. Aujourd'hui, on se fait toujours référence sur les peintres des siècles passés, hein, et qui ont laissé des traces indélébiles, qui nous servent toujours de référence. Mais aujourd'hui, beaucoup de soi-disant artistes, des pseudo-artistes, font de la peinture un art mineur, mais vraiment quelque chose qui est attristant dans la mesure où c'est un art qui est devenu d'une grande facilité, d'une grande médiocrité même, il ne faut pas avoir peur des mots, un peu trop de facilité aussi. Je pense que la peinture se doit d'être respectée et c'est quelque chose qui aujourd'hui est très attristant dans la mesure où on voit, où on se rend compte que on veut nous faire admettre, on veut nous imposer une vision d'un monde qui est pour moi en tout cas, qui ne m'apporte plus la satisfaction que je peux espérer, que je suis en droit d'exiger même, parce que je suis quelqu'un, et il y en a d'autres, je ne suis pas tout seul dans ce cas-là, mais qui est à la recherche du beau. Et ce beau, aujourd'hui, on ne le trouve plus. On trouve des formes d'expression qui vont, comme je vous le disais il y a quelques instants, qui vont vers la médiocrité, qui vont vers la facilité, qui vont la vulgarité. Et ça ne correspond pas du tout à mon image, à ce que moi j'attends de ce que la création peut nous donner. Mais Raphaël Toussaint, est-ce que la vocation de l'art n'est-il pas de chercher une forme d'avant-gardisme aussi et d'évoluer, d'aller aussi de l'avant? Oui, mais ça, voyez, Mathieu, il faut bien admettre, je suis quand même conscient, je vis dans mon monde, je ne suis pas extérieur, je ne suis pas, même si je suis un peu retranché dans ma bulle, hein, pour me protéger effectivement de tous ces parasites là, qui malheureusement nous entourent. Je dis bien des parasites, il y a des parasites. Parce que vous avez comment dirais-je, moi j'appelle ça des pseudo-artistes, alors c'est peut-être pas forcément très gentil de ma part d'être aussi sévère, mais c'est un petit peu le cas quand même, il y a beaucoup trop de libertés qui sont prises et des libertés que l'on veut nous imposer. Et ça, personnellement, je le refuse. Tant mieux pour celui qui va vouloir regarder des choses qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Mais tout à l'heure, vous avez cité Hervé Louboutin. Hervé Louboutin a été un journaliste, est toujours un journaliste, même s'il est à la retraite aujourd'hui, qui a su regarder, qui a su apprécier mon travail, mais ça remonte à quelques années, à pas mal de temps maintenant. Il me suit encore aujourd'hui parce qu'on a des relations à travers Facebook qui nous permettent d'échanger un petit peu quelquefois nos points de vue. Mais il savait, en tant que journaliste et en tant qu'homme de l'art, il savait apprécier les choses, il savait les regarder, les apprécier. Donc, c'est malheureusement plus le cas aujourd'hui. Je vais vous citer une anecdote, Mathieu. Ça remonte à quelques années quand même, il y a bien une bonne dizaine, peut-être une quinzaine d'années, je n'ai pas la date précise en tête. Ma peinture a été vue par un marchand parisien qui était une grosse galerie parisienne qui avait pignon sur rue, qui était très très connue, qui faisait référence
au point de, enfin, sur sa notoriété de galerie et de galeriste. Il voit ma peinture, il découvre ma peinture, et puis on établit un contact comme ça, par mail interposé. Et puis il me répond un mot. Alors de mémoire, j'ai plus exactement ce qu'il me disait, mais je peux citer en gros sa réflexion qui était quand même assez particulière dans un sens et particulière dans un autre, parce qu'il me dit, mais votre peinture, alors pardonnez-moi ma modestie, n'en souffre même pas, parce que je connais ma peinture, je sais ce qu'elle vaut. Alors je vous relate exactement les termes qu'il avait pu employer, en me disant, écoutez, votre peinture, c'est une très belle peinture, une peinture magnifique, c'est remarquable, c'est absolument extraordinaire. Et il termine sa phrase ou son exposé, parce qu'il avait écrit, mais il termine, et là, ça m'avait un petit peu intrigué, alors je ne savais pas si je devais prendre ça comme un compliment ou quelque chose d'assez ironique, je ne savais pas. Là, on n'a pas élucidé la question, mais il me dit, mais comment peut-on peindre encore comme cela aujourd'hui ? Vous voyez, c'était assez étonnant, ça. Ma peinture, il l'a trouvée très très belle. Hein, ça, c'était son point de vue de marchand. Oui. En même temps, c'était une peinture qui était complètement en décalage avec l'art d'aujourd'hui, l'art tel qu'il avait peut-être l'occasion de présenter dans sa galerie. Et ça l'intriguait. Il dit, mais comment peut-on peindre encore comme vous le faites ? Parce que c'est un art qui effectivement qui appartient à un autre monde. Et moi, je suis dans cet autre monde, et je ne suis pas dans le monde actuel. Alors, je m'isole peut-être, ça c'est sûr, je m'isole par rapport à mes confrères, mais au moins j'ai ma ligne de travail, d'objectif à atteindre, c'est d'aller toujours effectivement vers la perfection, d'essayer en tout cas avec mes moyens, et de toujours respecter ce leitmotiv que j'ai toujours en tête, la force du destin. Le destin me pousse à aller vers quelque chose et on verra bien. Est-ce que malgré cela, il y a quand même des artistes contemporains qui trouvent grâce à vos yeux ? Moi, dans ma région, on a un ou deux peintres. Oui. Je connais un peintre magnifique qui est un peintre irakien. Qui s'appelle Ghassan. C'est un peintre absolument extraordinaire à tout point de vue, sur le plan de la peinture. Il a une façon d'exprimer toute la douleur de son peuple irakien. C'est absolument magnifique. L'homme également, parce que vous savez, il faut toujours... C'est là la grande tromperie qu'il y a. C'est le décalage qu'il y a dans le domaine de la peinture. Un domaine des gens qui font de la peinture, il n'y a pas de correspondance ou osmose entre l'individu et ce qu'il fait. Voyez, parce que théoriquement, la peinture exécutée est le reflet de l'individu. Ce qu'il est, il l'exprime et il le transpose sur la toile. Ghassan, en l'occurrence, puisque vous voyez, je vous remercie de me faire parler de ce peintre, pour qui j'ai beaucoup d'amitié, beaucoup d'affection, même parce qu'il est d'une générosité, il est comment dirais-je, d'une honnêteté intellectuelle et artistique qui est absolument exemplaire. C'est un personnage qui a toute une histoire, tout un passé, qui a été déchiré par ce qu'a vécu son peuple. Il a vécu sous comment s'appelait-il en Irak, Saddam Hussein. Saddam Hussein, il a été persécuté, enfin, intellectuellement, hein, de par son art, il a été obligé de s'expatrier et venir en France, ça déjà remonte à quelques temps, mais il a été sous le régime de Saddam Hussein. Donc voilà, ça, si vous voulez me demander de vous citer un peintre exemplaire, c'est ce peintre irakien qui, vous voyez... Vous pouvez rappeler son nom aux auditeurs ? Ghassan. D'accord, très bien. Tout à l'heure, vous citiez Verdi pour votre référence musicale. Wagner avait dit que la musique commence là où s'arrête le pouvoir des mots. Et la force de la musique et de la peinture est d'arriver à toucher par l'émotion à quelque chose d'ineffable en raison de sa force émotionnelle.
Est-ce que vous cherchez à exprimer pour chaque toile une forme de vérité, quelque chose qui serait de l'ordre de l'indicible? Mais tout à fait. On essaie, et ça c'est le rôle ou l'objectif de l'artiste, mais même son rôle, c'est effectivement d'essayer de transcender la réalité. Oui, moi j'ai tendance, vous voyez, j'ai une définition qui est la mienne, alors je trouve est-ce qu'elle va me revenir vraiment. Qu'est-ce que l'art? L'art, c'est l'interprétation de ce que vos sens perçoivent de la nature, pour un peintre, oui, ce que je perçois de la nature, et là, à travers le filtre de mon âme, oui, c'est-à-dire je filtre les perceptions que je reçois quand je regarde un paysage, ou quand un musicien va entendre, il va les prendre, comment dirais-je, dans son filet, si vous voulez, hein, et il va les travailler, il va les aller jusqu'à effectivement les épurer, à les faire passer à travers le filtre de sa sensibilité, le filtre de son âme, vous voyez, l'intérieur, le plus profond de vous-même, eh bien, fait que ce que vous voyez, vous essayez de le magnifier. Je ne sais pas si ce n'est pas très prétentieux de parler comme ça, parce que qu'est-ce qu'on essaie d'atteindre là? C'est effectivement une dimension qui vous dépasse. C'est tout le travail du... Moi, je vous parle là actuellement comme un peintre. Oui. Je suis devant mon chevalet, je suis devant ma toile, et j'ai à exécuter un morceau de peinture. Et là, Mathieu, je vous assure, tous les peintres qui ont quand même un peu de métier, qui ont un petit peu d'honnêteté dans leur démarche, comprennent à quel point le travail du peintre est un travail sérieux, un travail... Bien sûr. Moi, j'ai tendance à dire quelquefois, et je le dis, ça m'a été rapporté, ça, c'est ce que beaucoup de critiques ont pu dire, dont vous pouvez le lire dans certains ouvrages ou autres, pour moi, peindre, c'est une prière. Vous voyez, c'est quelque chose où je communique avec, pour moi, je communique avec l'au-delà. Oui. Pour moi, l'au-delà, vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure que la force du destin, je l'appelais aussi la volonté de Dieu, et ça c'est parce que en permanence, ma peinture c'est une longue prière, c'est toujours quelque chose, une évocation à notre Créateur qui a voulu que moi je fasse de la peinture, vous faites votre job très bien avec compétence et puis qualité, ça j'en doute absolument pas. Merci. J'ai joué ce rôle à jouer là, et moi mon rôle c'est de peindre et d'essayer de faire de donner le meilleur de moi-même. Donc selon vous, on peut être bouleversé, l'art peut bouleverser une vie au final. En regardant une toile, la vie peut être bouleversée. Mais Dieu merci. L'art c'est quoi, Mathieu? L'art c'est la réception ou la perception déjà et la réception de l'émotion. Si vous n'êtes pas ému, écoutez, il m'arrive aussi. Ça n'arrive pas souvent, ça, mais Dieu merci, ça aussi c'est un privilège, parce que, mais ça je souhaite en tout cas que chacun soit à même de percevoir les choses comme bon, en tout cas je vous l'ai dit tout à l'heure, je parle pour moi-même, comme je conçois les choses, comment je les perçois. Moi je me trouve, il se trouve que j'ai peut-être ce côté... une sensibilité à fleur de peau, une émotivité à fleur de peau, il m'est arrivé de me retrouver dans une exposition à La Haye sur les Vermeer, vous voyez, Vermeer, ce peintre absolument magnifique. Hein. J'ai pu voir les 32 ou 33, je ne sais plus exactement combien il en a fait, très peu de Vermeer sont répertoriés, hein, et considérés comme authentiques. Il y avait cette exposition à La Haye, on s'en remonte à aussi une bonne quinzaine d'années, j'ai plus. D'accord. Quand vous êtes devant un Vermeer, mais je vous assure que vous vous mettez à genoux et vous priez, vous vous arrêtez, vous restez longtemps, vous regardez, vous rentrez dans la toile. Et oui. Ça, c'est
c'est particulier, c'est absolument extraordinaire que de pouvoir justement, quand vous écoutez une musique, si vous écoutez l'Adagietto de Mahler, hein, c'est ce fameux Adagietto qu'il a écrit pour sa femme, le nom m'échappe. Et je ne peux pas vous aider là-dessus, je suis désolé. Il a écrit cette musique absolument magnifique, comment ça s'appelle? Oui, le nom m'échappe. Eh bien, vous écoutez cette musique, vous écoutez cet Adagietto, et vous ne pouvez pas ne pas ressentir une émotion absolument bouleversante. Et puis ça, c'est un tout petit exemple, c'est celui qui me vient à l'esprit, mais toute la musique est magnifique, toute la musique crée de l'émotion, une belle bombe. Je suis moins porté sur la littérature parce que j'ai moins l'occasion de lire. Mais c'est pareil, vous avez des poèmes qui sont absolument magnifiques et qui sont. Mais la musique et la peinture, c'est vraiment les deux arts qui, moi, me bouleversent quand j'ai l'occasion. La sculpture aussi. Musique et peinture, c'est pour moi, c'est quelque Je chose suis d'accord avec de vous. transcendant. En parlant de ces émotions qu'on peut ressentir en regardant un tableau, lorsque vous alliez en région parisienne plutôt dans votre adolescence, quelles étaient les premières émotions que vous avez ressenties lorsque vous parcouriez les musées parisiens et que vous vous familiarisiez un petit peu avec les grands maîtres? Est-ce qu'il y a un tableau où un grand maître qui évoque chez vous ces émotions d'enfance très fortes? Ah oui, mais vous êtes allé découvrir un petit peu certains textes, enfin disons un peu mon parcours de vie là, parce que vous me posez des questions qui remontent très très loin, parce que la période de Puteaux, vous parlez de Puteaux, mais vous savez, ma vie c'est Ouais. un long roman, un magnifique roman, une belle histoire d'amour, très jeune, très très jeune, j'étais moi, j'étais pas recueilli, j'étais hébergé chez mes parents, qui étaient absolument adorables pour moi et qui m'ont fait découvrir, effectivement, j'avais 10, 12 ans, ça a été mes premiers contacts avec les musées parisiens, avec la découverte de la peinture, la découverte de ma première boîte de peinture. Je l'ai découverte à Puteaux, dans une Oui. vitrine de droguiste, hein, qui était, bon, c'était plutôt des années 1950, ça. Alors, vous voyez, c'est pas récent. Enfin, ça fait partie d'un parcours de vie qui a, jalon par jalon, petite pierre par petite pierre, a été semé sur mon chemin pour arriver à ce que je suis aujourd'hui. Tout ça a compté, ça a été déterminant. Et les premiers peintres que j'ai pu découvrir, alors, moi non, à cette époque-là, en 1950, vous voyez, la peinture que j'appréciais, que je découvrais et que j'exécutais, parce que j'ai commencé à peindre très très jeune, à 13 ans, j'ai eu ma première boîte de peinture donc, que l'on m'avait achetée à Puteaux, et j'ai fait mes premiers tableaux, et j'aimais beaucoup Van Gogh. Vous voyez, donc, qui est Oui. aux antipodes de ma technique aujourd'hui. Mais ça a été quand même une approche, ça a été un regard, ça a été le premier peintre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, tous les impressionnistes ont suivi, parce que c'est vrai que les impressionnistes étaient des peintres de paysages, et en réalité, aujourd'hui, je suis toujours resté un peintre de paysages. J'ai toujours su regarder la peinture. Bien La sûr, c'est ça qui est peinture, marquant c'est chez ça. vous. C'est que lorsque l'on regarde donc à Raphaël Toussaint, on pense par exemple à Bruegel l'Ancien, c'est les références qui viennent tout de suite en tête. On retrouve des personnages comme le vieux porteur de fagots de bois, les enfants qui jouent en groupe dans un coin du tableau, celui qui va faire du patin à glace sur un lac gelé. On retrouve un peu tous ces personnages-là. Alors qu'en fait, vous avez été, vos premières influences ont été les impressionnistes de la fin du 19e siècle. Oui, c'est vrai, mais ça a été, disons, une période, vous savez, il y a l'avant, peut-être que là vous n'avez pas assez de découvertes me concernant, mais dans les années 1950, ou jusqu'à 1960, c'est en gros, Raphaël Toussaint n'existait pas. Bien sûr, c'était Jacques Delacroix à l'époque, Alors encore. La voilà, métamorphose n'avait pas opéré. et bien voilà, moi j'ai. Il s'est trouvé que j'ai scindé un petit peu, ou découpé,
mon existence, ma vie, en deux tronçons, si vous voulez. Il y a eu avant Raphaël Toussaint, qui a été Jacques de la Croix depuis sa naissance jusqu'à 1962. Et là, les choses étaient ce qu'elles étaient. C'était la peinture, comment dirais-je, avec un regard sur les impressionnistes. Ça, c'est une peinture très libre, très enlevée, qui n'avait aucune personnalité en soi, puisque je n'apportais pas quelque chose d'original ou particulier. C'était la peinture, disons, je suivais un petit peu les courants déjà établis, les impressionnistes, Monet, Van Gogh, qui je pouvais encore... Mais j'aimais bien, parce que c'était le plaisir de peindre, c'est avant tout, c'est ça, c'est ce qui compte. C'était le plaisir de peindre. Et jusqu'au jour, alors là, il y a eu un basculement. Mais là, ça serait trop long, ça a été raconté, c'est à découvrir si votre auditoire... Ou les alors justement, si je peux amener une question qui amène à ce basculement, cette métamorphose de passant de Jacques Delacroix à Raphaël Toussaint, je dirais que la date de 1959 a été très importante pour vous, parce que vous rencontrez une personne qui sera d'une importance capitale dans votre développement artistique, c'est René Robin. Donc, si je peux me risquer à une comparaison du monde de la photographie, je dirais que vous étiez un négatif et que vous aviez besoin d'un révélateur. Et ce révélateur, c'est René Robin qui a permis de révéler votre personnalité artistique et de vous aider à trouver votre voie de peintre, n'est-ce pas ? C'est tout à fait ça. Là, je ne pourrais pas dire mieux que ce que vous en avez résumé. Là. C'est effectivement le personnage clé de toute ma vie. C'est le personnage clé dans la mesure où, non, vous ne l'avez pas cité, mais on peut le préciser, il se trouve que René Robin, c'est le père de mon épouse. Donc, il devenait mon beau-père. On s'est donc beaucoup fréquenté, il s'est attaché à ma personnalité. Et c'est là que lui a découvert, parce qu'il était lui-même artiste, et lui-même d'une grande sensibilité, et lui-même un érudit remarquable de l'art, parce que il avait aussi cet amour très profond, très sincère concernant la peinture. Donc là, il a su, lui, trouver chez moi les qualités requises ou les dispositions qui pouvaient s'offrir à moi, en l'occurrence, en me disant, écoutez, vous avez cette possibilité, vous avez le talent, le don de faire de la peinture, mais il faut peut-être... mettre de côté la peinture que vous avez pratiquée jusqu'à ce jour et puis partir sur d'autres voies, avec un autre mode d'expression. Lui m'a conseillé, et c'est là que rentre effectivement, il avait une collection de livres sur les primitifs flamands, les primitifs italiens, et m'a fait découvrir un petit peu un univers qui m'était quand même un peu inconnu. Il faut bien le reconnaître, j'étais moi plutôt axé sur une peinture qui était plus peinture du 19e et puis les classiques 19e, 18e. Mais la peinture primitive, même les Bruegel, je connaissais très peu, trop peu, les Frangelico, les Cimabue, les Van der Weyden, tous ces peintres-là qui ont laissé des tableaux absolument merveilleux. Il m'a dit, c'est ça, regardez ces gens-là, et puis imprégnez-vous-en, et voilà, les choses vont s'installer d'elles-mêmes, et c'est ce qui s'est passé. Il y a une sorte de déclic, là. Vous voyez, tout à l'heure, vous avez parlé de négatif, qui n'avait pas été exposé à la lumière, et là, moi, on m'a pratiquement mis devant une évidence qui a réveillé, et qui a révélé, le pourquoi j'étais fait, et toujours, vous voyez, la force du destin. Hein. Là, il a fallu, mais toute ma vie, ça a été ça, ça a été la rencontre avec des gens qui m'ont apporté ce plus pour rebondir toujours sur quelque chose. Et René Robin, ça a été le personnage à qui je dois pratiquement tout, et ça, il faut bien le reconnaître, c'est pourquoi cette petite anecdote, ce petit clin d'œil que je fais aujourd'hui, c'est de le représenter, ça c'est amusant. Avec l'écharpe rouge. Mais voilà, moi c'est quelque chose qui, par affection, par reconnaissance, je me suis, astreint à le représenter dans tous mes tableaux.
et parce que c'est grâce à lui. Donc les choses, voyons, cheminer comme ça jusqu'à aujourd'hui, toujours grâce Quel à plus bel hommage vous pouviez faire que justement de le matérialiser par ce personnage qui est tout le temps représenté dans vos tableaux avec cette écharpe rouge et qui est en fait René Robin. On voudrait savoir comment ça s'est matérialisé, cette influence qu'il a eue auprès de vous pour faire en sorte que vous ayez ce style reconnaissable maintenant entre tous. Est-ce que ça s'est passé, est-ce que c'était une relation plutôt fraternelle? Est-ce que c'était une relation de maître à élève? Est-ce qu'il vous prodiguait des conseils techniques? Comment ça se passait au quotidien? Non, ce n'était pas une relation de maître à élève, même si il avait toujours un regard très critique. Il était, bon, il se trouve qu'il venait fréquemment, il venait très, très souvent, puisque moi, étant donné que je m'adonnais entièrement à la peinture. Lui, il était libre de ses mouvements, donc il venait très souvent, on se rencontrait très très souvent, il venait dans mon atelier, il était là présent, il avait toujours un regard assez, assez critique quand même, mais toujours bienveillant, toujours peu de conseils. Il s'était rendu compte que très vite je pouvais évoluer. Et il est vrai que le jour où j'ai présenté, il se trouve que René Robin avait une galerie de tableaux. Oui. Il était propriétaire d'une galerie de tableaux à La Roche-sur-Yon. Et j'étais son gendre. Oui. Et il exposait la peinture, mes toutes premières peintures, qui remontent à 1963. Mes toutes premières peintures, il les a présentées dans sa galerie. Et on s'est rendu compte, là on peut raconter ça, parce que c'est une belle histoire aussi, ça fait partie effectivement de toute cette mise en scène que l'on a voulu. Et ça rejoint un petit peu, vous voyez, la conversation qu'on a eue tout à l'heure au début de notre entretien. Cette facilité qu'ont les peintres d'aujourd'hui de vouloir, enfin des soi-disant peintres, on est tous à même, beaucoup, et je ne peux pas empêcher, je ne peux pas rejeter les gens qui font de la peinture, c'est tout à fait leur droit, ils s'expriment à leur manière, mais seulement ils veulent se propulser tout de suite sur les devants de la scène. Ils n'ont pas fait de preuve, ils n'ont pas apporté, comment dirais-je, effectivement suffisamment d'éléments pour que l'on puisse juger de la qualité de ce qu'ils font, parce que bien souvent la peinture, elle ne se juge non pas dans les premières années, ni dans les 10 premières années, on finit, la peinture, elle s'incruste dans le domaine de l'art à partir d'un certain temps. Quand la peinture demeure, c'est parce qu'elle a vraiment une signification, qu'elle a un intérêt, et qu'elle prend place parmi, effectivement, les courants picturaux qui font que les choses durent dans le temps. Hein. Et ces peintres-là, eux, ils veulent tout de suite exposer, ils veulent tout de suite être reconnus et tout de suite pour en tirer une certaine gloire, et ça n'a pas toujours forcément beaucoup d'intérêt. Enfin, il y a beaucoup d'échecs. Donc, s'il y a beaucoup de candidats, il y a peu d'élus quand même. Et moi, il se trouve qu'avec, justement, pour en revenir, vous voyez, on fait des bons, je l'avais dit tout à l'heure que moi je partais dans tous les sens parce qu'il y a plein de choses à dire, mais j'ai commencé à peindre. Il n'y a aucun problème. J'ai exposé chez René Robin et les gens là se posaient des questions. Alors on avait décidé avec René Robin, comme j'étais son gendre, que je ne pouvais pas garder ou signer mes tableaux Jacques Delacroix. C'était pas possible parce que on n'aurait pas eu effectivement. Oui, puis Delacroix c'était déjà pris en plus, donc il fallait bien trouver autre chose. Il y a peut-être un petit peu de ça, c'était lourd à porter, c'était quelque chose. j'allais pas faire quand même de. Non, je vais plaisanter là. On va pas faire d'ombre à Delacroix, Eugène, mais c'est pas. C'était pas tellement pour ça. Parce qu'il était, il avait été question, enfin moi pendant très longtemps, vous en avez abordé cet épisode de ma vie. Tout à l'heure, j'ai fait beaucoup de chants classiques. J'ai fait beaucoup de l'occasion de me manifester sous le nom de Jacques Delacroix. Et j'avais quand même un certain succès en tant que chanteur. C'était aussi quelque chose qui était un peu encombrant. Je ne pouvais pas être Jacques Delacroix chanteur jusque dans les années. Jusqu'en 1962, hein, vous voyez, parce qu'après tout a basculé très vite, parce que je ne pouvais plus chanter.
Et c'est là que René Robin est intervenu, et c'est là qu'on a décidé qu'il fallait qu'on change de nom, hein, prendre un pseudonyme pour qu'effectivement repartir sur quelque chose de complètement nouveau, complètement quelque chose de créer un certain mystère autour de Raphaël Toussaint, qui était ce Raphaël Toussaint. Et pendant, c'est là justement peut-être cette force qui s'est installée, c'est que pendant 7 ans, sept ans, je suis resté complètement anonyme. Oui, je peignais, oui. Mes peintures partaient comme cela à Paris, parce que ça a tout de suite été une peinture qui a été retenue par les galeries parisiennes, mais dès le départ, très très vite. Et à Paris, bon, Jacques Delacroix n'était absolument pas connu, c'était pas, ça n'avait aucune incidence, mais... Raphaël Toussaint, c'était un peintre voilà, qui s'imposait parce qu'il avait une écriture nouvelle, un mode d'expression complètement nouveau pour le regard des amateurs d'art. Et c'est vrai que ça a été quelque chose qui est parti, mais alors, entre parenthèses, sur les chapeaux de roue. C'est vrai que ça a été tout de suite un succès, quand même assez. Bon, on n'avait pas prévu ça, ce n'était pas quelque chose qui avait été programmé. René Robin lui-même en était un petit peu effrayé parce qu'il dit mais sur quoi ça peut déboucher? Le métier de peintre c'était quand même un petit peu hasardeux, un peu aléatoire, tout ça. Oui. Il dit est-ce que ça durera? Est-ce que je ne vous ai pas mis sur une voie un petit peu quand même un peu délicate dans la mesure de quoi demain sera fait? Exactement, oui. C'était pas, c'est, les choses se présentaient bien, mais combien de temps ça allait durer? Et donc pendant 7 ans, moi je suis resté dans ma province, donc en Vendée. Je travaillais, j'ai beaucoup travaillé, énormément travaillé, parce que là c'est pareil, le métier de peintre tel que je l'ai pratiqué, mais ça je pense que c'est pour tous les peintres comme cela aujourd'hui, c'est énormément de travail. On n'arrive pas à un résultat si on ne travaille pas, je ne vais pas dire jour et nuit, mais il faut sacrifier beaucoup de sa vie. Et beaucoup de technique, oui. C'est beaucoup de technique. Et moi, cette technique-là, eh bien, a demandé effectivement énormément de. C'est une peinture, entre guillemets, mais très, très laborieuse, très besogneuse. Vous voyez, il faut s'appliquer, il faut se. Et quand je vous disais tout à l'heure que c'était des longues prières, c'est vrai que c'est une longue. Oui, une grande patience. C'est un travail de bénédictin. Oui. On a souvent dit ça, c'était un travail de bénédictin. Bon, ça, c'est une parenthèse. Mais donc les choses ont évolué, se sont poursuivies. Ça a été des contacts avec des marchands, ça a été des contacts avec d'autres confrères peintres. Ça s'est remarquablement déroulé. Moi, ma carrière de peintre, elle a été absolument remarquable. Et puis j'ai eu la chance de travailler avec des marchands absolument, des vrais marchands, pas des commerçants. Oui. Aujourd'hui, on a des commerçants. Il y a des galeries, et les galeries, ce sont des commerçants, ce ne sont pas des marchands qui ont... n'ont pas cette sensibilité artistique pour vraiment connaître le travail véritable du peintre et de passer du temps avec lui. Ils ont peut-être, certains quand même, ils ont une certaine connaissance, ce n'est pas ce que je veux dire, mais ils sont trop attirés, mais ça c'est la société qui est comme ça, on n'a plus la même approche, le même regard qu'autrefois. Moi dans les années 70, les marchands, ça a été des marchands parisiens, dans le Faubourg Saint-Honoré, c'était des vrais marchands. Ils vous achetaient votre peinture, ils vous faisaient vivre. Vous voyez, oui. Ils avaient peut-être des objectifs financiers. Enfin, bien, effectivement, ils ne faisaient pas ça pour mes beaux yeux, je ne sais pas ce qu'ils sont, mais enfin, peu importe, disons que ça ne les préoccupait pas, ce n'était pas ça. Eux, ce qu'ils défendaient, c'était une forme d'art nouveau. Oui, et ça, moi, ils m'ont pris sous leur aile, si on veut, hein, que ce soit les marchands parisiens ou que ce soit les marchands américains. Les marchands américains, j'ai travaillé une dizaine d'années avec eux, et ça a toujours été des gens d'une grande... avec des rapports humains, des rapports d'affection, des rapports d'amitié qui se sont développés, des rapports de confiance. Hein, ils croyaient en ma peinture, ils défendaient ma peinture, alors qu'aujourd'hui... Les marchands de tableaux, hein, les commerçants de tableaux, qu'est-ce qu'ils n'ont aucun objectif, c'est ils prennent les tableaux des peintres en dépôt, et puis si ça se vend, tant mieux, si ça ne se vend pas,
ils vous rejettent un petit peu comme une savonnette. Hein. Oui. Enfin, je ne veux pas généraliser. Il y a peut-être quand même quelques marchands ou quelques marchands sérieux quand même. Mais honnêtement, j'en connais plus beaucoup. Moi, personnellement, j'en connais plus. À mon âge, je ne cherche même plus à avoir de contact avec un marchand parce que les marchands, c'est un monde différent de celui que j'ai pu connaître. Bien sûr. Raphaël Toussaint, tout à l'heure, vous abordiez la période où vous étiez Jacques Delacroix, chanteur lyrique. Et il y a une époque, vous aviez reçu un prix de chant lyrique à Rennes. Et votre professeur de chant, André Voisin, vous avait envoyé un message en vous disant de ne jamais vous faire griser par le succès et de toujours vous concentrer aux belles réalisations. Et moi, je voulais vous demander, quelles sont les réalisations, les belles réalisations dont vous êtes le plus fier aujourd'hui dans votre vie ? Ah oui, oui, mes belles réalisations. Ah, mes belles réalisations, alors, ce sont mes trois enfants. Ça, vous voyez, je ne peux pas. Bien sûr. En priorité, je leur accorde quand même ce premier prix, ce privilège-là, c'est vrai. Non, parce que là, je suis très fier de mes trois enfants. Après, dans le domaine professionnel, en tant que peintre, j'ai c'est difficile à dire, c'est difficile à répondre. Je pense que le mieux, vous êtes en train d'interviewer un peintre, hein, et il faudrait, alors peut-être le ferez-vous, c'est quand même que les gens qui vont écouter votre émission, hein, puissent découvrir, puissent regarder quand même, puissent se rendre compte. Je suis en train de raconter un petit peu toute ma vie et leur dire que ma peinture, elle est belle, elle est merveilleuse. Je crois honnêtement, c'est vrai, je veux même pas être modeste, ma peinture, je pense qu'elle est belle, elle a cette particularité, elle est particulière, disons. Voilà, c'est une peinture singulière, c'est une peinture singulière, mais dont il émane, d'où il émane, beaucoup de poésie, beaucoup d'émotion, beaucoup de spiritualité. C'est une peinture dans laquelle on retrouve énormément, oui, cette sorte de recueillement dont je vous parlais tout à l'heure. Bien sûr. C'est une peinture qui porte en elle des sentiments. Et ces sentiments, j'essaie effectivement de... Dans le fond, ces sentiments, ils se raccrochent ou ils se rapprochent à tout ce qu'a été mon enfance, et ma petite enfance et mon enfance. Je parlais tout à l'heure de ces paysages que j'animais avec des petits personnages qui vont travailler les champs, qui vont travailler les vendanges, qui vont travailler un petit peu, vous voyez, qui vivent, qui font vivre notre vie de tous les jours. Cette vie de tous les jours, alors, elle n'existe plus tellement actuellement, parce que c'est vrai que les travaux des champs, c'est plus ce que c'était, mais moi, j'ai toujours en mémoire, j'ai toujours dans mes souvenirs, effectivement, toute cette tranche de vie où j'allais à la campagne chez mes grands-parents, puisqu'ils sont issus de la campagne, où j'allais travailler, enfin que j'allais pas travailler, mais que j'allais voir les paysans dans les champs, j'allais voir les périodes de la fenaison, la période des battages, la période des vendanges, toute cette vie à la campagne qui était absolument fabuleuse, où il y avait une qualité de vie, une qualité humaine que l'on ne retrouve pratiquement plus. Le monde d'aujourd'hui, alors là je fais un peu de nostalgie, un petit peu de mélancolie, mais le monde d'aujourd'hui n'est plus du tout le monde d'hier, parce que c'est complètement différent. L'appréciation de nos valeurs n'existe plus. Bien sûr, là je sens une petite note de regret ou peut-être de nostalgie. Je voulais vous poser une question sur, est-ce que vous avez eu des regrets dans votre carrière? Je pense par exemple au chant, de ne pas avoir continué. Vous auriez pu avoir une carrière professionnelle dans le chant lyrique. Est-ce que vous avez des regrets sur des choses passées? Ah oui, ça c'est peut-être effectivement, vous voyez, vous me posez la question, et on en parlait ce matin avec mon épouse. Elle me dit, mais tu sais, tu chantes toujours quand même bien. Je dis, non, je ne chante plus bien, je ne peux plus chanter. Moi, ma voix, elle s'est cassée avec pour un tas de raisons, mais encore là, c'est un rebond de mon existence qui a fait que
J'ai pu chanter jusqu'aux années 1962, où là ça a basculé parce que, bon, je ne sais pas si vous l'avez lu, si vous l'avez si vous êtes, pu parcourir un petit peu ma vie, ce qu'elle a été. Moi, je suis parti en 1957 pour mes 20 ans. Je suis parti en Algérie. J'entends, vous voyez, quelquefois, actuellement, les commentaires que font beaucoup de gens concernant actuellement la difficulté pour la génération des 20 ans aujourd'hui. Hein. Oui. Les 20 ans aujourd'hui souffrent. Je veux bien admettre, hein, je rejette pas du tout, effectivement, cette difficulté qu'ont les jeunes de 20 ans aujourd'hui à vivre, hein, dans le contexte actuel avec la Covid, les privations, on ne peut pas sortir, on ne peut pas faire la fête, on peut pas. Effectivement, la société, elle est faite pour vivre et profiter quand même de tout ce que la vie peut nous offrir. Mais à 20 ans, en 1957, moi je suis parti en Algérie avec des quantités de garçons, hein, qui se sont fait tuer là-bas, hein, qui se sont fait blesser. Et moi je suis revenu blessé, grand invalide à 85%. Hein, vous voyez, j'ai laissé une partie de ma vie là-bas. Donc, comme la blessure qui a été occasionnée était très très sévère, j'ai pu encore, à 20 ans, on a encore une certaine résistance, une certaine force, j'ai pu chanter encore un certain temps. Jusque, vous voyez, j'étais blessé en 58, hein, et jusqu'en 62, j'ai pu avoir cette activité de chanteur. Mais ça a été ma passion. Ça a été, vous voyez, tout à l'heure, je parlais d'émotion. Je pense que la peinture, ça vous apporte une très grande émotion. Ma peinture apporte une très, très, très forte émotion, rétroactive, si vous voulez, parce que le tableau, il se fait lentement, très lentement. Une fois qu'il est fini, là, j'en ai sous les yeux, je le regarde et je dis, j'ai quand même fait ça. Et ça, c'est un tableau qui a quand même, ce tableau que j'ai ramené enfin, que j'ai fait au Maroc, chez ma fille. Et qui a cette particularité, cette originalité-là, d'être un beau tableau aussi. Mais je suis en train d'avoir perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Parliez de l'Algérie, de fait que vous étiez engagé. La peinture, ça apporte une certaine émotion, c'est certain. Mais le chant, le fait de chanter, et c'est vrai, vous voyez là encore, c'est ma modestie qui va en souffrir, mais là, dans ce domaine-là. Je savais aussi ce que je pouvais prétendre, et surtout, vous avez cité tout à l'heure Monsieur Voisin, qui a été mon professeur de chant très longtemps. C'est lui qui voulait faire de moi un chanteur d'opéra. Il en était convaincu. Il m'avait mis, j'avais la possibilité, les horizons très très prometteurs s'ouvraient à moi. Et puis voilà, je suis allé en Algérie, j'ai été blessé en Algérie, et je pouvais plus chanter parce que je n'avais plus les capacités respiratoires. Un chanteur, ça a besoin de donner beaucoup au niveau du souffle, il faut avoir cette Bien énergie sûr. que je n'avais plus. Mais le chant, c'est quelque chose épidermiquement, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est quelque chose que vous sortez de vos propres tripes, là. Hein, vous avez des grands rôles. Moi, je chantais tous les airs de ténor. C'était ma passion. Et encore aujourd'hui, bon, le chant lyrique, je l'écoute, je l'entends. Vous travaillez en écoutant de la musique dans votre atelier? Toujours. 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 La musique vous accompagne toujours lorsque vous travaillez pendant des heures dans votre atelier à une composition de toile. Oui, ça, la musique fait absolument partie de ma respiration. J'ai besoin de ça pour. Elle m'accompagne, effectivement, et puis dans le fond, elle me rappelle tout ce que j'ai pu emmagasiner, mais avec le temps, Dieu sait si la musique n'est pas étrangère, mais c'est toujours une grande, grande passion. C'est Alors, quelque je vous posais une chose. question tout simplement technique. Est-ce que quand vous faites une toile, vous mettez tel ou tel disque pour avoir un résultat escompté, ou est-ce que c'est la musique qui, au final, guide votre main? Non, non, c'est pas. Non, non. La musique n'a aucune incidence sur le choix d'une peinture. Une D'accord. peinture, là aussi, il faudrait pratiquer, enfin peut-être développer, savoir comment. Tout à l'heure, on parlait de René Robin,
et René Robin qui me disait « Regardez la nature, regardez autour de vous hein. ». Et une toute petite anecdote, si vous voulez bien. Je me suis trouvé à fréquenter, on a été amis, c'est un personnage absolument extraordinaire qui m'appréciait beaucoup. C'est l'écrivain Paul Gut, je ne sais pas, c'est pas de votre génération Paul Gut, hein. Hein, le naïf aux 40 enfants, vous voyez, cet écrivain des années 50, 60, 70, il a dû mourir en 80 et quelque chose. Et Paul Gut, que je suis allé voir chez lui, un jour, il était critique d'art en même temps, il faisait beaucoup de bulletins pour peut-être le Figaro à l'époque, il écrivait comme ça, il faisait des commentaires sur les peintres, sur la peinture, il avait beaucoup de connaissances en peinture, et je vais chez lui, et un jour il me dit « Raphaël, j'aimerais que vous me laissiez, me définissiez comme ça ». C'était pas préparé, c'était pas calculé, j'étais pas venu pour ça, il me dit « mais… parce qu'il avait un livre d'or, il voulait que les personnalités qui venaient dans son bureau, chez lui à Paris, laissent une trace sur son livre d'or par une citation, soufflez-moi le nom, vous voyez comme quoi quelquefois. Une quotation, une citation. Une devise. Une devise, ah, d'accord. Votre devise. Raphaël, d'accord. Votre devise, c'est quoi? Et là, je me suis souvenu, effectivement, de... Savoir voir. Des consignes de René Robin. Savoir voir. Le paysage, on parle du paysage. Savoir voir. Savoir percevoir afin de savoir concevoir. Mm-hmm. Donc, pour moi, tout ça, c'était lié. Ça fonctionnait parfaitement bien ensemble. Et ça, ça a été la devise qui m'a toujours suivi, que j'ai toujours mentionné dans certains commentaires que je pouvais faire. Et Paul Gut avait trouvé ça très très bien. Il me dit, mais oui, effectivement, tout est là, tout est dit là. Savoir voir, savoir percevoir. Parce qu'il ne suffit pas de voir les choses. On peut les regarder, on peut comme ça effleurer un paysage, un beau site, quelque chose. Mais en même temps, il faut savoir percevoir, c'est-à-dire rentrer dedans. Il faut rentrer dans le paysage pour en tirer tout ce qu'il... Tout ce dont il est porteur, tout ce qu'il représente, tout ce... Il y a un message caché derrière un paysage qu'on va capter comme ça, voilà. Exactement, ce que vous allez pouvoir en faire. Parce que le sujet, il importe peu. Le sujet va être ce fameux déclic dont vous parliez tout à l'heure. Le sujet, ça va être un déclic. Voilà, il va dire, vous êtes devant un paysage. Tenez, on prend par exemple le Mont des Alouettes. Le Mont des Alouettes, ce paysage emblématique de la Vendée, hein, ça se cite quand même, parce que c'est un site maintenant touristique, historique, c'est pas intention. On a raconté beaucoup de choses sur le Mont des Alouettes et on n'a pas fini d'en raconter parce que c'est vrai que c'est un endroit particulier, il y a un point de vue, pour nous c'est pratiquement le sommet de la Vendée, enfin pas tout à fait mais presque. Donc vous vous arrêtez au Mont des Alouettes à un moment donné pour regarder autour de vous, et moi je l'ai vu, si vous le découvrirez peut-être si vous allez dans mon site, je crois qu'il y a plusieurs tableaux qui ont été faits sur le Mont des Alouettes, et un tableau que, sur le Mont des Alouettes qui s'appelle, c'est une découverte, c'est un paysage de neige, c'est une rencontre un matin, comme ça il faisait froid, il faisait pas chaud. Oui, vous connaissez en quelle année c'était plus ou moins? Dans les années 80, ça. 80, d'accord. 90 quand même peut-être. Il faudrait le retrouver ça parce que j'aurais dû le noter ça. Mais c'était le titre, alors là, la mémoire flanche quelquefois. Mais ça, voilà, le sujet il était là, mais il fallait en faire quelque chose. Je pense que j'en ai fait un tableau qui dépassait, comment il s'appelle, je ne connais que lui, Philippe de Villiers, disait Raphaël et tout ça, il embellit la Vendée. Et c'est vrai que quelquefois, j'en fais quelque chose de différent de ce qu'elle est dans sa réalité. Mais c'est le rôle du peintre, ça. Moi, je vois les choses, et puis je les embellis, je les transforme, je les arrange à ma façon. C'est pas une photographie, c'est une interprétation d'un paysage que j'ai vu et que j'ai voulu effectivement magnifier. En lui donnant des caractéristiques particulières.
Justement, en voulant magnifier un paysage, ou peu importe le sujet, comment, en tant que peintre, on se dit qu'une toile est terminée? Quand est-ce qu'on met un point final à une toile et quand est-ce qu'on dit qu'elle est réussie et qu'on a réussi justement à transcender ce message par rapport au sujet qu'on essaie de capter? Là, vous mettez, Mathieu, le doigt sur une question que tous les peintres doivent se poser. Il y a deux étapes très critiques, très difficiles dans la réalisation d'une peinture pour un peintre. Tout comme pour un écrivain. L'écrivain qui se retrouve devant sa page blanche, il a un livre à écrire, il faut le commencer, il sait ce qu'il veut faire, mais il faut savoir comment on va le commencer. Nous, peintres, quand moi j'ai un tableau à exécuter, j'ai le thème, j'ai le sujet, mais il faut le mettre en place. Un tableau, c'est une composition. Ce n'est pas qu'une image bien dessinée, bien peinte. Non, il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut qu'il y ait une ambiance dans la coloration, dans le choix des couleurs, l'atmosphère qui doit s'en dégager. Mais il y a aussi une composition sur le plan de la géométrie, la règle d'or, on essaie de l'appliquer. Aujourd'hui, les peintres se soucient absolument plus de ce que ça veut dire qu'une règle d'or. René Robin était très exigeant sur ce chapitre-là. Là, une règle d'or, c'était la surface de la toile était fractionnée géométriquement pour que les équilibres soient respectés. Est-ce que ça se pratique encore beaucoup aujourd'hui? Je n'en sais rien. Moi, j'ai appris ça. J'ai un peu le sens de la composition, je crois. Mais il faut faire démarrer la toile. Il faut qu'elle commence par un point. Il faut un début et savoir effectivement où on va commencer la toile et comment on va la commencer. Ça, une fois que vous avez déterminé ces premiers éléments qui sont capitaux, qui sont indispensables, vous avez un déroulement. Vous avez toute une histoire à raconter. Moi, ma peinture, c'est quand même en même temps une histoire. Je la décris au fur et à mesure. Oui, je suis devant un bureau, je suis en train de dessiner sur le bureau le geste de matérialiser la réalisation de la composition d'un tableau. Donc, il y a ça à faire, le déroulement du tableau pour raconter cette histoire. Et puis, on arrive à la fin du tableau. Et c'est là la grande question, c'est là la difficulté, c'est là où on se... À quel moment un tableau est terminé? C'est un vrai cas de conscience parce que vous pouvez l'arrêter, vous pouvez le continuer, ça n'a pas de fin. Moi, les tableaux chez moi, en réalité, si je veux, je peux toujours les poursuivre. Je vais toujours pouvoir rajouter un personnage, un oiseau dans le ciel, une fleur dans ma prairie. Mais c'est là qu'il faut avoir la volonté. Il faut avoir la volonté. C'est quelquefois difficile, mais de se dire c'est terminé, j'arrête, je ne peux pas aller plus loin, ça n'apporterait plus rien. Le tableau il est achevé. Et ce qu'il faut, c'est savoir, c'est prendre le tableau, lui donner le dos au mur, hein, oui. pour pas que faire la face du tableau au mur. Il faut pas le regarder. Il faut plus le regarder. Sinon, il y a toujours cette tentation de vouloir y rajouter quelque chose, un détail, et on n'en finit jamais. On peut toujours apporter quelque chose, et ça, c'est la difficulté. Il y a des peintres qui... Tout ça, ça dépend de la technique des peintres, hein, de ce qu'ils ont à exprimer. Moi, c'est vrai que c'est une difficulté, ça. Un tableau, il est achevé, pour moi, quand il est pendu à ses cimaises, qu'il a été verni, signé, encadré, il est là, il va vivre sa vie, maintenant. Bien sûr. Sur votre site internet, pour le catalogue de Raphaël Toussaint, il y a la vidéo qui s'appelle « Naissance d'une création d'un tableau ». Et je rebondis sur ce que vous venez de dire. Vous dites à un moment qu'en tant que peintre, on prend facilement un geste, on arrive à avoir un mouvement et on finit par tomber dans la facilité. Et comment, en tant que peintre, en tant qu'artiste, on arrive à éviter de tomber dans ses habitudes et qu'on arrive à se sortir de sa zone de confort pour... Voilà, lorsqu'on regarde un paysage qu'on a peint maintes et maintes fois, essayer de proposer quelque chose une sorte de renouveau à chaque fois. C'est bête comme question, ça. C'est vrai, parce qu'effectivement, c'est notre comment dirais-je, pas un handicap, mais... Une tare un peu de vouloir retomber dans ses habitudes de peintre, dans sa facilité. Voilà, c'est vrai, vous voyez, comme quoi j'hésite un petit peu
à répondre parce que ça ne peut pas être spontané, il y a toujours le plaisir de peindre. Peindre, c'est toujours pour moi quotidiennement, tous les jours, je peins, j'ai besoin d'une séance de peinture, enfin de vivre ce qui a été ma vie de toujours, peindre. Mais en même temps, il y a effectivement cette difficulté-là de se dire, mais je balaie ça quand même, parce que je me dis, après tout, ce qui compte, c'est de peindre. Je peins pour mon plaisir. Alors, on va s'intéresser à mon travail, mais je peins pour moi maintenant, je peins plus pour moi qu'à une époque où je travaillais beaucoup pour les galeries. Mais là, c'est vrai que je me dis, mais est-ce qu'on ne vit pas? C'est sévère, enfin, c'est. Je ne sais pas si on peut raisonner comme ça, mais se dire qu'on, nous, peintres ou artistes, on vit peut-être trop longtemps de notre art. Il faudrait savoir s'arrêter à un moment donné, parce qu'il est vrai, et ça, il faut être objectif, il faut quand même le reconnaître, que je peins aujourd'hui, toujours avec le même plaisir, toujours avec la même passion, toujours avec cet élan de réaliser un beau tableau, mais mon beau tableau va s'ajouter à d'autres beaux tableaux. Vous voyez, il sera beau le tableau que je vais faire, mais je vais peut-être refaire le monde des Alouettes. J'ai déjà fait 5 ou 6 fois le monde des Alouettes. Mais j'aurai toujours le même plaisir à le faire. Mais ça, c'est vrai, je me dis, regardez, si on prend, il y a des peintres, Raphaël, l'autre, celui de la Renaissance, sont morts, beaucoup de peintres sont morts très jeunes, Bruegel, beaucoup de peintres, à part le Titien qui est mort à 90 ans et quelques, et puis certes, mais les peintres qui ont dépassé l'âge de 70 ans, ils sont quand même très rares. Hein. Les musiciens, c'est pareil. Mozart, si vous prenez Mozart, c'est le maître absolu de la peinture divine, la peinture absolument... vous voyez, qui vous transcende aussi, parce que Mozart, il n'y a pas plus beau que Mozart. Enfin, si, il y a d'autres grands musiciens, on parle de Mozart parce que c'est vrai que c'est un maître absolu. Mais Mozart est mort très jeune, et qu'est-ce qu'il aurait fait s'il avait vécu jusqu'à 80 ans, Mozart et, bien sûr. Il aurait peut-être... Raphaël Toussaint, vous parliez tout à l'heure de la notion de plaisir en peignant, et c'est quelque chose qu'on note lorsqu'on regarde un tableau de Raphaël Toussaint, notamment pour la première fois. On sent qu'il y a cette notion de bonheur qui est sous-jacente. Et moi, je voulais vous poser la question, qu'est-ce qui vous rend heureux et comment parvenir à être heureux selon vous? Bon, on revient toujours à une question qui pour moi est très personnelle. Est très personnelle, le bonheur, mon équilibre d'une part, bon, il est à travers ma peinture. Et ma peinture, elle est liée à la prière. Hein, ça, je pense que je me suis répété plusieurs fois ce sujet-là. Et en même temps, la prière, elle est liée à quoi? À la méditation. Bon, moi, je vis dans la vie. Hein, je suis pas un moine. Je suis pas du tout. Mais la méditation, la prière, l'élévation d'esprit, me rapprocher de. Vous parlez tout à l'heure. On finira sur sur cette magnifique lettre de Jean-Paul II aux artistes. J'ai besoin de m'imprégner de ce message qui nous a été donné par justement la création du monde. Hein, ce monde-là est un monde de... Alors même si aujourd'hui c'est un monde un peu chaotique, un monde tumultueux, un monde de violence, un monde où il n'y a pas d'amour entre les hommes, ils se déchirent, mais ça a été tout le temps, après tout, aujourd'hui l'actualité fait que c'est toujours mis en évidence, mais à travers tous les siècles et les siècles, il y a toujours eu des violences entre l'humanité. Mais ça n'empêche qu'on peut se réfugier, enfin moi je me réfugie justement dans cet univers d'intériorité. C'est pas un rejet de la vie qui m'entoure, même si, mais j'apprécie pas la vie d'aujourd'hui, j'apprécie pas. Donc effectivement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Cette vie qui est trop longue, je veux bien vivre encore, mais je sais qu'il y a des choses que je veux pas voir, et des choses qui vont se manifester et que je ne veux pas voir, que je ne veux pas vivre.
Je partage tout à fait, vous voyez, l'opinion d'Alain Delon, par exemple, parce qu'on le cite souvent, hein, on dit que la vie d'aujourd'hui, et c'est vrai, il a raison, hein, il a connu plein de choses, de belles choses, et puis aujourd'hui, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette vie qu'on nous offre, hein, et cette vie que l'on nous prépare, hein, donc ça, c'est quelque chose qui va être très inquiétant. Et moi, alors bon, je ne sais pas, je connais pas les sentiments de foi d'Alain Delon, mais je connais ma foi à moi. Et ma foi à moi, elle est portée effectivement vers le haut. Et je trouve là vraiment tout mon bonheur, parce que c'est un refuge. C'est peut-être un petit peu, comment dirais-je, facile, parce que effectivement, on s'abrite derrière de quelque chose qui n'est pas palpable, mais qui pour moi existe quand même. C'est effectivement cette élévation de l'homme qui, moi, me rend heureux. Raphaël Toussaint, si vous aviez le pouvoir de faire un bond dans le passé et que vous pouviez remonter à 1962 et que vous verriez Jacques Delacroix et que vous avez l'opportunité de donner un conseil de ce jeune peintre-là qui aimerait devenir justement Raphaël Toussaint. Et plus généralement, à un jeune peintre d'aujourd'hui qui aimerait se lancer dans la peinture et en faire son métier. Donc quel conseil vous lui donneriez? Ça rejoint un petit peu le tout début, bon, pour développer, mais ça rejoint un petit peu le début de l'entretien. Suis ton destin. On a un destin. Ce que je suis, c'est parce que je devais l'être. On m'a mis sur, à un moment donné, on m'a donné, dès le départ, dès la conception, on m'a donné cette possibilité de suivre ce long chemin avec des étapes différentes. Ça a été la musique, ça a été le chant. Mais entre-temps, il y a eu quand même d'autres aussi, d'autres périodes. Ça n'a pas toujours été facile à ma vie. Ce n'est pas non plus un long fleuve tranquille, il ne faut pas croire. Il y a eu des épreuves. Bon, cette blessure en Algérie a été quand même pour moi très sévère. Ça a été quand même une épreuve un peu tragique quand même. Mais en même temps, le destin est toujours là pour quiconque, même pour ce jeune peintre dont vous me parlez. Si ce jeune peintre, il a au fond de lui-même des choses à exprimer, s'il est sincère, s'il est honnête, si vraiment il veut propulser dans son travail sa personnalité. Beaucoup de gens ont des personnalités qui ont besoin effectivement de s'exprimer. Eh bien, il faut qu'il poursuive, il faut qu'il continue, il faut qu'il s'entoure, mais surtout qu'il ne soit pas pressé, qu'il prenne le temps d'établir des fondations. Vous voyez, il faut des bases, il faut quelque chose de solide à la base. Moi, si aujourd'hui, à 83 ans, 84 bientôt, je peux encore demeurer, c'est parce qu'il y a un socle qui est solide, il y a un socle qui s'est installé, que j'ai bâti en réalité, parce que c'est ça, peinture de fierté. Je peux considérer quand même que ma vie, je l'ai bien réussie, parce qu'elle devait sans doute, mais avec quand même énormément de travail, d'exigence, mais j'ai fait quelque chose qui est solide, qui tient toujours le coup. Et ça, c'est peut-être le meilleur des récompenses, c'est-à-dire, voilà, 60 ans après, ta peinture, elle est toujours là, elle est toujours reconnue. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on me fait une proposition pour faire une visioconférence à distance, c'était pas prévu, hein, c'est la première, je ne le cache pas, j'ai eu beaucoup d'interviews, mais pas sous cette forme-là, je ne sais pas comment ça sera perçu, comment les gens vont recevoir ça. Je souhaite que, de tout cœur en tout cas, qu'ils essaient de comprendre ma personnalité, que je n'aurais pas heurté quand même la sensibilité de certains. J'ai parlé avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup de franchise, avec beaucoup de avec ce que je porte au fond de moi-même, et si c'est bien perçu, eh bien on aura, vous et moi, vous aurez fait une bonne action, et puis moi j'aurais essayé de donner quand même quelque chose de positif, mais à travers le beau. Vous voyez, tout à l'heure on parlait, c'est ça qui compte, c'est ça qui est important dans notre société d'aujourd'hui, c'est le bien, nos valeurs. Le bien et le beau. Si on part sur ces bases-là, à ce moment-là, vous savez, je pense qu'on rendra l'humanité beaucoup plus meilleure, beaucoup plus, comment dirais-je,
proche, plus fraternel, alors qu'aujourd'hui on ne sait plus justement apprécier cette fraternité qu'on pourrait avoir, qu'on devrait avoir. Mais le monde est ainsi fait. Bien sûr. Avant de vous laisser terminer par quelques lectures du recueil que vous avez choisi, j'aimerais vous poser une dernière question. Savoir si vous avez un endroit préféré en Vendée ou, en tant que peintre, un endroit qui reste plus difficile à capter, plus mystérieux. On n'a pas parlé de la Vendée. On n'a pas parlé de la Vendée parce qu'on aurait dû, mais on peut faire un jour une autre séquence. Avec plaisir. Parce que c'est vraiment pour moi aussi le département porteur. Vous voyez, en réalité, j'ai pompé la Vendée. Hein, je pense que j'ai eu cette chance, ce grand honneur même, d'être reconnu par Philippe de Villiers, par certains autres aussi, par des hommes politiques éminents. Mais c'est Philippe de Villiers qui a été le premier à vouloir m'honorer de ce qualificatif en disant que j'étais le peintre de la Vendée. Je n'étais pas le peintre vendéen, j'étais le peintre de la Vendée, c'est-à-dire reconnu comme étant un peintre qui a puisé toute sa sève dans le département de la Vendée. Parce que le département de la Vendée, c'est un magnifique département, non pas sur le plan esthétique, on n'a pas de grands sites absolument fantastiques ou devant lesquels on pourrait s'arrêter. Bon, moi, il y a toujours cette vision personnelle du savoir-voir, du savoir-percevoir, afin de concevoir. Ça, je regarde les choses différemment et après, d'un petit paysage, j'en tire un tableau qui va effectivement prendre une dimension toute particulière. Mais la Vendée, elle est surtout... Et si je la peins comme ça, la Vendée, si je la peins comme ça, c'est parce que je connais bien son histoire et c'est un département qui a une histoire absolument tragique. C'est évident, mais quand même, cette histoire, on en a fait quelque chose, entre parenthèses, de magnifique à développer, à porter et à faire connaître au monde, parce que la Vendée, à travers ça, la tragédie qu'elle a vécue en 1793, et je pense que demain, c'est la mort de la mort de Louis XVI qui a été guillotiné le 21 janvier. Donc, vous voyez, on vit, nous, on a peut-être cette particularité-là. Là, vous ne le voyez pas, parce que l'écran n'est pas tourné dans mon sens. Mais là, j'ai sous les yeux le drapeau vendéen qui flotte dans mon jardin, là. Et ce drapeau au double cœur vendéen. Le double cœur vendéen, c'est ce qui nous porte, nous, les Vendéens. Et c'est ce qui nous fait, vous voyez, cette dose d'amour que l'on a pour notre département. Le département de la Vendée est extraordinaire. Et je voudrais dire un tout petit mot, si je peux, c'est pour remercier, en profiter là, parce que... Bien sûr, allez-y. On a beaucoup cité effectivement les gens qui m'ont accompagné, les gens qui ont fait pour moi énormément de choses, et je leur suis éternellement, enfin, en tout cas très reconnaissant. Il y a eu des témoins, enfin, des gens à différents degrés, sous différentes formes. Mais je voudrais rendre un témoignage et un remerciement absolument sans limite, vous voyez, c'est à mon webmaster, hein, Henri Benitez, hein, qui est un monsieur qui habite dans le sud-ouest, il habite à côté de... Non, c'est pas le sud-ouest, ça, du reste, c'est pas le sud-ouest du tout, dans les Bouches-du-Rhône, et qui a pris en charge, comme ça, spontanément, sans que... Voilà un monsieur que je connais depuis 35 ans, peut-être même plus, et que je n'ai vu qu'une seule fois, mais qui s'est attaché à mon travail, qui s'est attaché et qui m'a donné toute son amitié, toute son amitié, je ne veux pas dire affection parce que ça n'a pas lieu d'être, mais son amitié sincère, désintéressée, et puis qui un jour a décidé de faire le recensement de toute mon œuvre, depuis le début jusqu'à aujourd'hui. De toute mon œuvre, mais à travers les peintures, à travers les articles de presse, à travers les vidéos, à travers tout ce qui me concerne professionnellement. Et il s'est attaché à faire ça, c'est énorme. Vous allez sur le catalogue raisonné, on pourra donner l'adresse du catalogue raisonné pour que vos visiteurs puissent se rendre compte. Ça, voilà, c'est un monsieur qui pratiquement m'accompagne et valorise un petit peu, par l'intermédiaire de son catalogue raisonné,
valorise un petit peu tout mon travail. Aujourd'hui, on a ce moyen-là de communiquer avec le monde entier à travers vous, votre émission que vous faites sur Internet, et puis lui, toujours par Internet, faire connaître toutes mes œuvres à travers son catalogue raisonné qu'il a réalisé. Très bien, Raphaël Toussaint. Je maintenant vous laisse la parole. Vous vouliez nous lire peut-être un petit extrait d'un recueil de Jean-Paul II, si je ne m'abuse, c'est bien cela, lorsque nous avons communiqué par téléphone. C'est très court, Mathieu, mais ça rejoint un petit peu tout ce que j'ai pu dire, tout ce que j'ai pu laisser entendre, hein, c'est-à-dire mon attachement à ma foi, et puis mon attachement à Jean-Paul II. Tout à l'heure, vous parliez d'un tableau majeur pour moi. Hein, c'est le tableau de Jean-Paul II. Oui. En prière à Lourdes devant la grotte de Massabielle. Vous voyez, ça, c'était un tableau, c'était techniquement un tour de force un peu particulier. C'est une allégorie, hein. c'est pas un tableau, c'est un montage. Enfin, un d'accord. Montage. C'est un tableau que j'ai conservé du reste et qui est très porteur. Et très porteur de mes sentiments, en tout cas, vis-à-vis de Lourdes. Et on n'a pas parlé de Lourdes, mais on aurait pu parler de Lourdes, parce que ça, c'est un endroit qui, effectivement, vous transcende complètement, vous transcende et vous transforme. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller à Lourdes, sûrement, j'espère, mais c'est un lieu qui, pour quelqu'un comme moi et pour beaucoup de gens, des millions de gens, représente quelque chose dans le domaine de la foi. Et Jean-Paul II écrit ceci, vous voyez, « La beauté s'ouvre le monde. » Fort de sa foi en Dieu, le Dieu de toute beauté, et confiant en l'homme, Jean-Paul II réaffirme la grandeur de la vocation artistique et l'irremplaçable service rendu par l'artiste aux hommes et à la société en tant que tel. La mission de l'artiste n'est-elle pas de transmettre une beauté qui suscite l'émerveillement ? Et il poursuit, ce monde dans lequel nous vivons a besoin de beauté pour ne pas sombrer dans la désespérance, la beauté comme la vérité. C'est ce qui met la joie au cœur des hommes, c'est ce fruit précieux qui résiste à l'usure du temps, qui unit les générations et les fait communiquer dans l'admiration. Ça nous fait réfléchir et ça nous fait quand même effectivement un grand bien. Bien, merci beaucoup Raphaël Toussaint d'avoir partagé cette une heure et demie d'interview. Ça a été vraiment un moment très, très délicat de vous être confié sur votre travail personnel, sur votre ressenti. Et ça a permis aux téléspectateurs de mieux vous connaître. Je vous en remercie encore une fois. Je laisse le mot de la fin. Bien voilà, écoutez, je vous salue Mathieu. Je salue comment on les appelle ? Téléspectateurs, non ? Non ? C'est téléspectateurs ou plutôt les gens du net ? Maintenant, on parle plus des internautes. Des internautes, voilà. C'est des internautes, pardon. Eh bien, écoutez, je les salue. Je leur souhaite de découvrir ce reportage et puis d'en tirer, non pas un enseignement, mais une conclusion qui leur permettra de voir qu'on peut être artiste aujourd'hui encore en défendant des vraies valeurs. Voilà, je vous dis au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, Mathieu.